Oui, c'est moi, Georges, tu sais qui. C'est d'origine grecque. Bonsoir à tous, ici Georges, tu sais qui pour Poudlard, l'héritage. Oh là 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 là! Et aujourd'hui, ils ne savent pas ce qui se cache derrière le masque! On a mis la main sur un masque, mon gars! Il n'y a plus aucune limite! Rien ne nous arrête! Oh là 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 là, mais regardez ce jeu! Mais regardez ce jeu, regardez ce jeu. Bob, t'es pas au même endroit que la dernière fois. Je me suis arrêté à Préolar parce qu'il fallait que je vide mon inventaire. En attendant, Théma, voilà. Théma, ça. Et tu sais qu'en plus, là, avec cette petite alcôve, là, tu sais que c'est chez les serres d'aigle. Et ça, c'est la piole des serres d'aigle. Tu le vois d'ici, tu vois. Oh là 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 là. Théma, la taille de Dlarpou, j'avoue. Nous étions face à un magasin que nous n'avions pas visité la dernière fois, qui s'appelle Dogweeds and Deathcap. Un magasin qui vend... Action ! Merci. Un magasin qui vend des champignons. Pénétrons. Entrez donc. Oh, prenez garde. J'aimerais que vous ressortiez d'ici en vie. Ne vous en faites pas, madame. J'ai un alibi. Oh, le beau. Il ne m'a pas vu. Il ignore que je suis là. Il ne se doute de rien. Il est ouvert. Merci pour l'argent. Il est mort. Ok. Voyons voir. Lumos. À côté d'une butte et d'une vieille petite cheminée. Comment une si jeune personne peut-elle donner une telle raclée à un troll? C'est incroyable. Ne vous en faites pas, madame. J'ai déjà fait l'amour à des femmes plus grosses que ça. Allons-y. Une question d'entraînement, réellement. Alors, il faut trouver la cheminée. Cheminée polluante qui dépasse du sol. Mais il a 15 ans en 1900. Ah, voilà. Lumos. Voilà, te voilà, bébou. Oh, il y a encore un autre coffre ici. Attends. Bébou, attends là. Voilà, c'est bien. Ensuite. Invisibility! Comme si! Merci pour l'argent, minable. Lumos. Petit. Là. Madame, laissez-moi vous débarrasser de ce miroir. J'aimerais que vous ressortiez d'ici en vie. Excellent. Bien. Lumos. Quel est cet animal? C'est un nifleur, c'est ça? Je sais plus ce que ça fait, les nifleurs. Repelio. Lumos. En tout cas, c'est proprement adorable. Cet immense arbre aux branches sinueuses abrite la boutique Amanite et Chien dans. Très bien. Ça sniffe du pognon. Fort. RNG, pas de RNG. Des gants en Quidditch inégalables d'une couleur absolument délicieuse. Très bien. On l'accepte. Nous l'acceptons aujourd'hui. Madame, j'ai besoin de tout. Bonjour. Ah, bonjour. Désolée, je suis dans tous mes états. Je viens juste de gronder quelques plantes. Elles se sont battues entre elles. Ça doit être ma faute. J'en ai mis plus de 4 sur le même étalage. Au fait... Je m'appelle Béatrice Green, mais vous pouvez m'appeler Madame Green. Bienvenue à Amanite et Chien Dents. Oh, faites bien attention aux mandragores. S'il n'y avait pas une demande constante d'antidote, je n'aurais pas besoin d'avoir autant de ces petites chéries.
Sauf bien sûr pour les mauvais sorts. Et pour ceux qui ont été pétrifiés, c'est évidemment l'endroit où aller. Attention à ne pas déranger les mandragores. Si une racine sort de terre, vous y passerez. Et je ne suis pas d'humeur à faire le ménage. Très bien. Quelqu'un est mort ici? Oui, c'est une chance. Qu'il n'y ait eu qu'un mort, je veux dire. Enfin bref, que puis-je faire pour vous? Je vais simplement faire le tour de la boutique. Très bien. Dites-moi si vous voyez quelque chose qui vous intéresse. Eh bien, très bien. Allons-y, pénétrons, faisons-nous plaisir. Qu'avez-vous à vendre? Madame, coffrez-vous. Que je vous montre mes meilleurs articles? Madame. Alors, outils de combat, chou mordeur de Chine, mandragore, et tentacula vénéneuse, de l'engrais, des choux de mordeur de Chine, des graines de mangrador, petite taille, et des tentacula vénéneuses. Le monde de la mandragore. Oh, je suis toujours ravie quand une jeune personne fait un achat judicieux. Vous irez loin, je le sais. Oh, 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 oh. Madame, c'est vos techniques commerciales qui sont absolument irréprochables. Vos marchandises seront en sécurité avec moi, jusqu'à ce qu'elles soient vendues. Ensuite, il vous restera le produit de la vente. Ma porte est toujours ouverte. Revenez quand vous voulez. Je n'en douterai pas. Allons-y. Bien, bien, bien. Regardez de l'arpou au loin. C'est beau quand même. C'est beau, c'est beau. Nous avons le masque. Et maintenant que nous avons le masque ainsi qu'un alibi, ainsi que Poudlard, nous pouvons fuir. Lumos. Bonjour. Hadouken. Écrasé comme un tas de merde. Tout Jésus. Protego, stupéfix. Bien. Les vieux sont. Les vieux. Attends. Mais. Stupéfix. Stupéfix. Levioso. Ah. Action. Action. Ils sont contre vous. Ah. Ah. Chier. Ah, y aurait-il un point faible? Action. Non. Levioso. Ah ah. Crétin. Bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Mais Expelliarmus, je me demande si ça aurait fonctionné. On verra bien. Ensuite, le matériel. Des gants de meilleure facture. Une protection pour le visage. Accessoires de cou, j'ai rien de mieux. Non, j'ai rien de mieux. Et là, ça c'est ce que j'ai de top. Et ça, il y a mieux. Ok, très bien. Alors, je sais que tout ce que je porte c'est de la merde, mais on s'en fout. Hein. Mais il a pas de baguette, ça dit que c'est... il fait des dégâts quand même, le Expelliarmus. Qu'est-ce que c'est que ces ballons? T'as le caillou. Revelio. Revelio. Oh. Revelio. Ah oui. Incendio. Ah bah. Action.
Action. Leviosa. Incendio. Expelliarmus. C'est des ballons espions chinois, ouais. Des chèvres! Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. C'est un château, ça, pour toi, frère? Je ne peux plus capturer ces libellules là. Ok. D'accord, très bien. Ok, c'est pas grave. Les Leviosa. Désolé. Ok. Explorons. Revelio. Revelio. Un coffre. Du feu, de l'éclairage. Du pognon, 9 balles. Et surtout un chapeau feutré. On monte. Ça fait bien longtemps que je n'ai rien trouvé à braconner du côté de Crackcroft. Des braconniers. Est-ce qu'il y a moyen de leur faire des attaques critiques ou pas? J'évite de passer à Arendelle. Je n'aime pas tellement l'ambiance là-bas. De mon point de vue, ceux qui voient le monde en noir et blanc manquent clairement d'imagination. Parier sur les combats de dragons. Petificus Totalus. C'était une erreur. Ouh ah, Expelliarmus. Les créatures des environs dormiront un peu plus tranquilles. Revelio. Et attends, il y en a un que j'ai Petrificus Totalus. Il va s'en sortir. Donc on a le T-Petrificus Totalus, ça c'est cool. Des lunettes de soleil. Du fric. Un pont. Et il n'y a rien d'autre ici, d'accord. Ok, on continue à se promener librement dans Poudlard. Enfin, pas dans Poudlard, mais dans la région. Ouais, c'était une erreur, je suis mouillé. Ces pierres ont connu des jours meilleurs. Là-bas, regardez, ça bouge. Ouh, qu'est-ce que ceci? Un mec? Ah, pardon. Eh. Qu'est-ce que vous mijotez? Je baise le couvre-feu. Dommage que Bardolf ait cru que la magie noire était la solution. Je parie que Rockwood n'est pas étranger à sa disparition. Madame? Excusez-moi, vous avez mentionné un Bardolf Beaumont? En effet, je ne crois pas que nous nous connaissions. Je m'appelle Dorothy Sprottle. Je m'inquiétais pour Bardolf, le frère de Claire Beaumont. Il s'avère qu'il a disparu. Il aurait été vu dans la forêt en train de pratiquer la magie noire. Et je l'ai aperçu près des ruines avec Rockwood et sa bande. Je crains qu'il ait eu des ennuis avec les serpents cendres. Surtout s'il leur a fait une promesse qu'il n'était pas en mesure de tenir. Vous savez, je l'aurais bien aidé à le chercher, mais j'ai tellement peur de tomber sur les fidèles de Ranrock. Pourquoi Bardolf voudrait-il se mêler des affaires des serpents cendres? Oh, il a fait une mauvaise rencontre avec les fidèles de Ranrock. Ça l'a métamorphosé. Il s'est juré de ne plus jamais se sentir vulnérable. Je pense qu'il voulait que les serpents cendres lui révèlent leurs secrets. Je pourrais partir à sa recherche? Toute aide est la bienvenue. Peut-être devriez-vous parler à Claire? Elle aura sans doute plus d'informations que moi. Je peux vous dire que Bardolf a été vu pour la dernière fois dans la forêt. Il portait un pull en laine assez particulier. C'est Claire qui le lui avait tricoté. Claire doit se trouver dans sa boutique si vous voulez lui parler. Tout ceci a l'air d'être une mission pour le masque. Bonjour. Ça ne faites pris. Pas attention.
J'entends des voix. Oh, colonne de brun foncé. Et j'entends que ça me serpente et je sais pas ce que c'est ces voix et ça me rend fou. Hop là. Revelio. Une serrure. Encore de l'argent. L'endroit semble être assez agréable. C'est tellement classe, ces machins. Madame, bonjour, ne faites pas attention, je suis le masque. Chardon et l'insigne. Blablabla. 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 Très bien. Vous le lirez sur YouTube. Merci, madame. Chardon et l'insigne. Blablabla. 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 Madame, pardon, madame. Madame, s'il vous plaît, madame. Merci, madame. Excellente journée. Madame. Ah, merci, madame. Revelio. Revelio. Ah, que vois-je, que vois-je. Blablabla. Ah bien. Très bien. Excellent. Là, une petite bicoque, sans doute emplie de ressources, fait des trous. Oh, colonne bleue, sarcelle et marron. J'entends des trucs qui me disent que je peux interagir avec, mais je ne les vois pas. Revelio. Je suis le masque. J'ai eu un piaf passé. Je mets la pression au villageois, si tu veux. En tout cas, je suis content de voir que, comme dans la forteresse du chaudron noir, ils respectent la citrouille ici. Les fidèles de Ranrok sont très dangereux. Que pouvons-nous faire ? Faire appel au meilleur, madame. Madame Beaumont, je peux vous parler ? Oui. C'est à quel sujet ? Madame Sprottle m'a parlé de la disparition de votre frère. Oh, chère Dorothy. Si elle le pouvait, elle partirait elle-même à la recherche de Bardolf. Elle a parlé de magie noire et même des serpents cendres. En dépit de mes avertissements, Bardolf a décidé de s'essayer à la magie noire près de la forêt. Je pensais que ça lui passerait, qu'il finirait par arrêter. Et puis, un jour, il n'est pas rentré. Votre frère a-t-il pris quelque chose avec lui qui permettrait de retrouver sa trace ? Il n'a pris que sa sacoche, son journal et un pull en laine que je lui ai tricoté. C'est tout ce dont je me souviens. Bardolf aurait-il pu partir de lui-même ? Non. Il ne me laisserait jamais seule. Mais il m'avait parlé d'aller voir Victor Rockwood. Cela m'inquiète presque plus que ses expérimentations avec la magie noire. Selon moi, Rockwood est aussi dangereux que Ranrok. Je vous préviendrai si j'apprends quoi que ce soit sur lui. Oh, merci. C'est gentil. J'aimerais savoir où il est. Je sais qu'il est quelque part dans les parages. Mais faites attention. Que proposez-vous à l'avant ? Qu'est-ce qu'elle propose, ce bois ? Bardolf, où es-tu ? Je ne cesserai jamais d'espérer. Oh, ça va vous plaire. Très bon choix. Campolar en haut est sous le joug des fidèles de Ranrok. C'est terrible. Merveilleux. J'en ai toujours besoin. Merci d'être passé. Merci, madame. Ah oui, attends, la quête. Je vous ai entendu par hasard. Vous avez parlé des fidèles de Ranrok ? Oui. Je ne les pensais pas si dangereux. Au fait, je m'appelle Claire Beaumont. C'est un plaisir. Ranrok et ses fidèles ont établi leur camp ici.
sans égard pour notre joli hameau ni pour nos conditions de vie. Mon frère Bardolph a osé leur tenir tête, et il a fini à Sainte-Mangouste. Je suis à bout de nerfs. Vous avez dit que les fidèles de Ranrok avaient établi leur camp ici. Où ça exactement ? Au sud, au-delà de la rivière. Aux dernières nouvelles, chaque campement abrite plusieurs fidèles. Malheureusement, les fidèles de Ranrok n'ont plus de secret pour moi. Je peux peut-être vous aider ? Oh, je serais ravie d'en être débarrassée, mais je ne voudrais pas que vous vous blessiez. Ou pire. Faites attention. J'ai déjà commencé, nous madame. Nous ne devrions pas avoir à vivre dans la peur. Nous sommes ici chez nous. Revelio. Ah, elle a une porte. Enfin, elle a une... On dirait elle que a une la serrure. Situation se dégrade. Je dois rester sur mes gardes. T'as tous ces gens qui sont lucides. Alors. Expelliarmus. Levioso. Action. Voilà. Je faisais le grand tour, hein. Une cape de courage, pas mal. Je faisais le grand tour respectueusement. Ça se bat là-bas, ça a l'air de se battre. Très bien. Revelio. J'ai entendu un drôlin. C'est fermé ? C'est fermé, chier. Descends. Ils sont en train de se battre et ils sont en train de mourir, surtout, je remarque. De l'argent. Du soda à la citrouille. Le soda à la citrouille est une boisson gazeuse à mode de goût de citrouille. Il est pas encore devenu aussi populaire que la bière au beurre, mais on sait jamais. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Avec la bonne waifu, tout est possible. Hein. Pardon, madame. Madame. Je suis en train de check les maisons. Je suis en train de scanner très fort. La pomme, c'est gratuit. Oh là, il y a un papier. Chardon et l'insigne, d'accord. Ok, au moins vous avez eu tous les papiers. Revelio. Excellent. Comme ça, aucun papier ne manque. Alors, éliminez les campements gobelins, commençons par eux. Puis ensuite, allons chercher le frère, ensuite retournons à Poudlard parce que le jour se lèvera bientôt. Et lorsque le jour se lève, Georges, tu sais qui reprend sa place. Ça a été d'avoir mis les pieds ici. Revelio. J'aimerais avoir un poste confortable à Gringotts, à rester assis toute la journée, même si ça arrive. Un des campements de Ranrok, exactement comme Madame Beaumont l'a décrit. 1, 2, 3 gobelins. Les sorciers prennent leurs jambes à leur cou. Tout se déroule comme prévu. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Les sorciers prennent leurs jambes à leur cou. Tout se déroule comme prévu. Petrificus Totalus. Petrificus Tebesus. Petrificus Tebesus. Et un enfin... de moins. La Max. Ouh. Bienvenue. Ouh. Bien joué ça. Aïe aïe aïe, ah, j'étais en train de sauter. Bois. Procédo, stupéfixe. Expelliarmus, Levioso. Pourquoi Expelliarmus, stupéfixe. Ah, je l'ai payé celle-là. Hop là. Levioso, action. Stupéfixe. Incendio. Je ne parlais de ça. C'est entièrement la faute de Ranrok.
Magnifique défense de la part du Lennon. Et un campement détruit. Plus qu'un. D'accord. Donc j'aurais pu tous les stun. J'aurais pu tous les stun, braves gens, mais je voulais utiliser l'ultra. Ça me faisait plaisir. Ouh, ça loot. Ça loot, potion Wiganweld. Gant arrivé cendré. Ça loot, ça loot, ça loot, ça loot. Hop. Il va pour le fric. Je sais pas exactement ce qu'il mine, mais ça mine. Fric, fric, fric. Miten Zakajou. Hop là. Tu vas regretter d'avoir mis les cliquets. Hâte que cette journée se termine. Action. Action. Fédermes. Incendio. Ouh. Petit assassinat en règle. Il n'a jamais eu le temps de réagir. Incendio. Des exploits de duel, 3 les sur 5. Les campements ont été détruits. Madame Beaumont sera contente de l'apprendre. Revelio. Pas mal. Mais excuse, ce combat était un peu plus bordélique que le précédent. Je reste plutôt content. Salut, salut. Salut, salut. Oui, mais des panzani. Oh là là. Et enfin, attends, j'avais détecté des plantes ici. Il y a des trucs qui brillaient bizarre. Où était-ce? Merde alors. Tant pis, j'étais persuadé d'avoir trouvé des trucs, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Hop, hop. L'endroit a été abandonné il y a longtemps, c'est certain. Oh. Old Magic. Revelio. Ah, le jour se lève. C'est bientôt la fin pour le masque. Incendio. Action. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Ok, D'accord, d'accord, d'accord. Blablabla. Tout va bien. Ah ah ! Résolu. Oh, poder ! Cap d'élèves distingués, on aime, on apprécie, c'est toujours du miel. Mitel bleu sarcelle. On pourrait descendre par là, mais ça, c'est... Levioso.
Hop. Non, tant pis. Attends, oui. Voilà, très bien. Oh, 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 c'est gratuit. Hop, hop, hop. Très bien. Là, il y a un magasin. Oh, oh, oh. Bonjour. Que proposez-vous à la vente ? Oui, bien sûr, mais ne devriez-vous pas être à Poudlard ? Vous avez perdu votre chemin ? J'avais simplement besoin de me changer les idées et de sortir un peu du château. Non, bien sûr que non. Loin de moi l'idée d'insinuer autre chose. Je suis moi-même un explorateur, voyez-vous. Je m'appelle Léopold Babcock. Et pour quelqu'un comme vous, également enclin à l'exploration, je ne peux que souligner l'importance d'avoir une potion Wiganweld sous la main. Je n'oserais pas m'aventurer dans un endroit comme la forêt interdite sans quelques réserves. Et j'avoue que j'en prends plein la gueule. Qu'en pensez-vous, mon enfant ? Vous en voulez quelques-unes, au cas où ? J'y réfléchirai. Très bien. Dites-moi si quelque chose vous intéresse. Très bien. Qu'avez-vous en vente ? Montre-moi. Voyons si vous trouvez ce qu'il vous faut. Alors, il vend des feuilles de dictame, des feuilles de mauve douce, des pierres de... Ouh. Merci pour votre confiance. Voilà, il vend des mandragores, potions Maxima, potions d'Edurus, choux mordeur de Chine, tentacula vénéneuse et des potions Wiganweld. Je vais en prendre une. Voilà, au cas où. Et potions Maxima, on va en prendre une. Tiens. Merci voilà. Pour votre confiance. Fort aimable. C'était un plaisir. J'ai pour ma part tout gagné. Non seulement l'entraînement face aux gobelins était très bien, même si je me suis fait surprendre par leur espèce de stand qu'ils utilisaient pour m'attaquer, et que j'aurais dû esquiver plusieurs fois les attaques et que j'ai été à chier, mais face aux humains je me démerde, c'est face aux gobelins que c'est un problème, ça demanderait un peu d'entraînement. Après c'est le premier combat que j'ai fait contre eux, donc je suis pas non plus trop dur envers moi-même. Je ne suis pas un étudiant Poudlard. Ah bon. Les ah bah, Ouah ! Passe par en dessous. Ça loot, 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 loot. Ouh. Ils sont pas hostiles, ils sont adorables. Ok. Mais, te casse pas la gueule. Voilà. Frangin, frangin, frangin. J'ai besoin que t'avances. Georges, s'il te plaît. Georges, pas comme ça. Pas comme ça, Georges, une citrouille. Non. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre de contes. L'effervescence me manque. Mes pauvres clients n'osent pas sortir de chez eux. Madame! Bonjour, Madame Beaumont. Bonne nouvelle, j'ai éliminé les campements de Ranrock. Vous nous en avez débarrassé? Comment? La violence, madame! La violence! J'ai simplement réussi à les surprendre. Lorsque mon frère rentrera, il sera ravi d'apprendre la nouvelle. J'ai peur pour les autres hameaux. Vraiment. Que proposez-vous à la... Vas-y. Que recherchez-vous exactement? Vous Merci vendre, beaucoup. Madame, vous vendre. Vraiment. C'est de la merde. Ça, c'est du même niveau que moi, ok. Ça, c'est mieux ou pas? Non, c'est du même niveau. Donc, Osef, 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 et Osef. Merci, madame. Notre fashion ne fait que se développer. Quête terminée, levez le camp. Excellent. Et enfin, dans le journal de quête, parce que non, pas fini, le destin d'un frère. Elle me donne des manches de baguette, let's go! Excellent. 300 mètres, damn, allons-y. Boop, j'ai rien. C'est solide, des sorciers. Rebellio. Rebellio. Là-bas, il y a une grotte. Ouh, ça explore. Ouh, j'ai rien,
J'ai rien. J'ai un bois. Il a pas bu. Il a pas bu. Il y a des dégâts de chute, oui. Mais c'est dommage, il y avait une grotte. Qu'est-ce que ça veut dire, les grottes? Il se passe quoi dans les grottes? Il se passe des dingueries, je suis sûr! Je suis mort! Une pièce, s'il vous plaît, monsieur, pour le plaitrou. Putain. On va suivre la route. Ah! Voilà. Je devrais regarder ça de plus près. Oh, mais oui, il faudrait, mais... Inferius? Kenavo! Action! Vous êtes attaqué à un sort de feu pour le rendre vulnérable. D'accord. Incendio. Levioso. Levioso! Incendio! Ah, c'est trop loin. Ouh, Kenavo! Wapapap! Expelliarmus! Haha! Incendio! Incendio! Ah. Fuck! Bon. Parier sur les combats de dans les nuages, chinois. C'est le meilleur moment pour frapper. C'est comme si la nature elle-même nous offrait un voile derrière lequel orchestrer notre trahison. Il parle tellement bien. Mais level 20 ou level 100, ça n'a aucune importance. Si tu te fais kenaver par derrière, mon ami. Kenavo! Si j'aimais les tâches ennuyeuses, j'aurais un travail normal. Qu'est-ce que tu comptes faire? Action. Action. Levioso. Expelliarmus. Mutilé. Revelio. Une écharpe bout de feu de chinois bleu sarcelle. Ouh, il y a plein d'ingrédients. Des champignons, des cerises. Ah oui, bien gros jeu. Essayer d'attirer l'attention d'un jeune sorcier. Il y a une prise de risque. J'ai pas le bon niveau. Oh. Mais connaissent-ils réellement les capacités? Messieurs. Bonjour. Le masque. C'est vrai. Ah, j'ai une cher. Stupéfix. Réducteur. Expelliarmus. Levioso. Action. Enchego. Stupéfix. Ouh! Ah, il est mort, c'est un poulet! Tu n'as aucun talent! Expelliarmus! Oh, ça touche! Levioso! Levioso! Axio! Incendio! Personne n'en reviendra que j'ai vaincu un serpent cendre sans aucune aide. Des altérations. Oh, oh.
Ce masque est bien foutu. Revelio. Des cerises. C'est pas des cerises, mais c'est des... Voilà, c'est des lucioles cerises, c'est pas des couilles. Du fric. Et, bah, je peux pas passer. Et, le coffre. Un coffre. Collection mise à jour, désarmement 1. Ah. Et, Et du coup, qu'est-ce que... Caverne au Horglup, coffre de collection. C'est là où je suis. Caverne dans laquelle se trouve une grande quantité de Horglup. Entrée du marais nord. Ouais, mais ça me demande d'aller loin en vrai. Attends. Ouais. Action. Ok. Y'a d'autres moyens de les obtenir si tu les casses. Ça vole vers toi ou pas? Comment ça se passe? Ah bah oui! Il suffit juste de tirer dessus, d'accord, bah pardon. Moi qui bêtement Je me demande qui... Revelio. Me fait chier, tu vois. Rien ici, très bien. Bah alors, ça loot pas? J'ai peut-être déjà looté ça, ok. Je sais que je suis en train de courir comme un caribou et d'explorer comme un gosse, mais je m'amuse. Et d'un autre côté, je me dis, il me semble qu'il y a des balais dans le jeu. Et c'est vrai que ce serait peut-être plus intelligent d'attendre que je développe une méthode de transport plus intelligente. Mais ça m'amuse. Caverne au Horglup, allons-y. Expelliarmus, incendio. Incendio. Revelio. Revelio. Du jus de Horglup. Très bien ça. Action. Levioso. Expelliarmus, incendio. Chier, il me faudrait le sort Bombarda, mais Revelio. Ouais, je suis certainement pas fait pour explorer cette caverne aussitôt. Partons. Partons. Voilà. Parce que si je m'acharne à faire les endroits que j'ai pas fait, ça voudra dire qu'il faudra que j'y... Ça voudra dire qu'il faudra que j'y retourne 1000 fois. Confringo plutôt. Bombarda fait pas l'effet feu. Ouais, non, mais les deux sont destructeurs, si tu veux. C'est ça ce que je voulais dire. Alors, soit on peut aller sauver le frère du débile et gagner un manche de baguette. You know what? Why not? Let's do this. C'est bon. Parcours. Revelio. Putain, Zarma, je suis perdu. Je vois des champignons là-bas. Fuck, c'est magnifique. Revelio. Et pierre de lune, c'est moins cher que gratuit. Ok. Action. Ah, ça marche pas. Revelio.
Attention aux araignées. Action. Insecto. Levioso. Action. Incendio. Levioso. Oups. Action. Incendio. Ouah la vache! Je suis pas mort! Action! Incendio! Chier! Expelliarmus! Levioso! Ça bat les couilles! Action! Incendio! Levioso! Ça bat les couilles, ça bat les couilles! Incendio. Levioso. Ça va les couilles, ok. Oh, c'est bon. Expelliarmus. Incendio. Allez. Levioso. Action. Incendio. Tu joues plus le shield, mais c'était des attaques imparables. Je pouvais pas jouer le shield. Je ne pouvais pas jouer bouclier. It's ok, it's ok. Il me faudrait plus de sorts de feu en fait, en vrai, contre ces salopes. Ouah. Oh. Action. Incendio. Levioso. Wipe out. Le Dogo. Revelio. Le Dogo, il a pas compris ce qu'il a frappé. Le Yosh. Tombé sur un repère de Dirico près de l'un des hameaux. Ça m'a rapporté beaucoup de guerre. Action. Bonjour. Incendio. Ouh. Levioso. Ça. Qu'est-ce qui se passe? Expelliarmus. Dessus. Qu'est-ce que c'est? Action. Tu t'es donc peut-être bouché. C'est un stupéfique. Merci. Non. Action. Levioso. Tu regretteras ma partie. Ouah la vache. Jesus Christ. Expelliarmus. Voilà, merci. Action. Je n'ai rien senti. Contringo. Protego. Ouh. Les meubles, mon gars. Mon jeune. J'avoue, c'est impressionnant, monsieur. Réducteur. Ouh. T'as vu cette pirouette un peu? Mais. Merci. Levioso, c'est ton premier duel. Oh. Bon. You missed. Voilà, je vais te réchauffer. Expelliarmus. Là, tu vas trop loin. Levioso. Tu. Je n'ai presque rien. C'est tout ce que tu as? Non, mon jeune.
fatigues, papy, tu fatigues. Expelliarmus. Leviosa. Action. Incendio. Leviosa. Expelliarmus. Ouh! Ouh! Il a des pop. Je pense que c'est assez de violence pour aujourd'hui. Révélio. Qu'en pensez-vous, braves gens? En tout cas, la colonne de flammes, très impressionnante. Hein. J'ai été très impressionné, je tiens à le dire. Oh, encore une tour étrange et bizarre. Merci, voyager madame. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre. Alors, oui, c'est ça. Invente la poudre de cheminée. Ça fait cool. Voyons voir. Rien ici. Rien à côté. En tout cas, je commence à bien Rébellion. Maîtriser les duels de sorciers. Même si je me suis pris un ou deux coups fringos en trou, j'ai pas eu le réflexe, tu vois. Mais... Oh, c'est juste des zombards. C'est juste des zombards, c'est juste des zombards. Action. Incendio. Levioso. Cet Inferius porte un pull en laine? C'est sûrement Bardolph. Oh shit! Ça pourrait être dangereux aussi. Incendio! Action! Ça sert à rien quand j'ai pas de quoi. Incendio! Voilà! Madame Beaumont veuille vraiment savoir ce qui est arrivé. Expelliarmus. Revelio. Revelio. Alors, voyons voir tout ce qui reste ici. Voyons voir. Le sac de pognon. Le crâne. Un espèce de coffre et un papier. Extrait de journal. Je suis horrifié devant ce que j'ai vu. Ils ont créé un Inferius, un cadavre mutilé revenu à la vie. J'ai essayé de cacher mon dégoût, mais je crois qu'ils ont vu clair en moi. Je voudrais convaincre que je ne suis pas un espion. Je ne suis pas là pour leur nuire. Si je ne fais rien, je pourrais bien être le prochain, Bardolph. Il mentionne les Inferi. Et dit que Bardolph sera le prochain. Ah. Ah. Des piafs. Les vieux sont. Ils sont mignons. Revelio. Il y avait un coffre, je l'ai ouvert, il est là. Ok. Uniforme classique scolaire convenable. Alors par contre j'ai trouvé note 0,2 sur 0,2, donc il doit y avoir une note 1 sur 1 peut-être. Je la vois. Je m'en veux d'avoir peur, mais je ne peux plus faire marche arrière. Je pense avoir maîtrisé de mauvais sorts jusqu'ici, mais j'ai dû jurer de leur obéir pour en apprendre davantage. Il ne faut pas qu'ils sachent que j'ai peur, ils parlent déjà de moi dans mon dos. On m'a dit de ne pas faire confiance au mage noir, mais je dois continuer à être assez puissant pour protéger Claire, moi-même et tout Campolar en haut. Bardolph. Un extrait du journal de Bardolph. Il a entendu des rumeurs sur un plan le concernant. Bon. Eh bien. Quel dommage! Quel dommage! Il est mort dans d'atroces souffrances. C'est tout ce qu'il mérite. C'est bien, ça m'évite d'avoir à le ramener. Les quêtes d'escorte, c'est jamais intéressant. Puis c'était de l'XP. Hein. Par contre, les Inferi, je vois pas le danger. Hein. Certes, j'ai quand ils t'approchent, dit que voyager ouvrait l'esprit. Ils font une attaque imbloquable, mais voilà. Tue les oiseaux pour le loot, non. J'ai vu que tu peux pas tuer les animaux dans ce jeu. À part le yinche, hein. Le yinche, bouf, il a git. Impeccable. J'aimerais voir Laurent. Oh, j'espère vraiment que mon frère va bien.
Madame Beaumont, j'ai des nouvelles de votre frère. Oh, je vous en prie, dites-moi qu'il va bien. J'ai le regret de vous informer que Bardolph a été changé en Inferius et que j'ai dû le tuer. Quoi ? Mais comment pouvez-vous penser que mon frère s'est transformé en Inferius ? C'est absurde ! Il portait un pull en laine, tricoté main. Non. Non ! C'est impossible ! Toutes mes excuses. J'aurais aimé vous apporter de meilleures nouvelles. Portez-vous bien, Madame Beaumont. Qu'aurais-je pu faire de plus ? Oh, pardon. Oh. Mon cher. Je n'aime pas mentir, surtout lorsque la vérité peut causer autant de souffrance. Merci. Profitez du spectacle. Astuce numéro 10. Ok, très bien. Charmant ce petit village, hein. Charmant, charmant, hein. Allez, 10 points pour Serpentard. C'est terrible. Voyons voir les défis. Défi de combat. Vaincre 10 mages noirs. Cap de protecteur en peau de dragon. Vaincre 20 mages noirs. Ensemble, une protecteur. Stylé. Vaincre des fangeux, protection amphibienne. Ok. Vaincre des gobelins, résistance au pouvoir des gobelins. Vaincre des inferi, protection nécromantique. Vaincre 3 ennemis connus, masque du loup vengeur. Vaincre 10 araignées, armure du fléau des araignées. Oh. Vaincre des chiens, ok. Et réaliser 5 exploits de duel. Ah bon. Quels sont les exploits de duel ? Maillot de bain du chercheur de secrets. Oh, cape légendaire. Non, gant légendaire. Ça apparaît au pif durant les combats. Ah, mais j'y fais pas attention parce que je suis toujours en train de regarder mon personnage pour esquiver les attaques. Tout s'explique. Très bien. Des gants de meilleure facture. Mitaine de chasseur. Rien de mieux. Rien de mieux. Et enfin... Oh, mieux. Parfait. Il est temps de devenir un havre de bon goût. Wouah! Va à l'école avec ça. Oh là là! Une cape! Une cape noire! Oh, sympa ça! Ah, elle est jolie celle-là aussi. Oh, c'est pas les mêmes! Qualitativité. Petit pull. Cardigan ourlé. Ah, et j'ai failli oublier. Mon identité secrète. T'es secrète, rien du tout. Décider. Les écharpes, c'est pas toujours la même couleur que tes vêtements, donc porte ça. Très bien. Excellent. Pour les gants, mitaine verte, gants de rouge velours, pas de gants.
Ah, c'est vraiment bizarre, pas de gants. Gants noirs. Ils sont chelous, ces gants Zarma. Écoute. Gants en cuir distingués. Voilà, nous avons un style. Nous avons un style. Excellent. Alors. Voyons voir. Enceinte de Poudlard. Il reste 100 pages du guide du sorcier, putain. Des statues de demi-guise, je sais pas ce que c'est. Table d'astronomie, ok. Il faut que j'aille jusque là pour rejoindre Miss Meuf. Ok, fair enough. Donc il faut partir par le sud, j'imagine. On va partir de la grande salle. Bob, la baguette, t'as gagné un manche. C'est vrai, j'ai oublié la baguette. Quel plaisir de vous revoir. Ah. Il y a toujours du monde à la grande salle. Tout le monde bouffe à la grande salle. C'est jamais vide. Ça me fait sourire. Voyons voir. Ouh. Pas mal, pas mal. Oui. Ça, c'est classe aussi. Ça, on aime. Mais... Oh là 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 là. All you can eat, Poudlard. Ah. Je te suis. Ah, dommage. Mais excuse. Parfait. Je te tiens. Excellent. Revelio. Ça teinte, ça teinte. Il y a un étage à la grande salle? Putain, je savais même pas, eh. Incendio. N'oublie pas d'aller poser toutes les rengaines pour le coffre de maison, on le fera d'un coup, on les aura toutes. Revelio. Oh. Une énigme pour débile. Alors, 7 plus 9, ce qui nous fait un total de 16, et pour aller jusqu'à 24, il faut 8. Ouais, c'est ça, 8. Donc il faut une araignée. Voilà. Ensuite, 11 plus 0, plus 14, ce qui nous faut 3, et pour 3, c'est 0, 1, 2, 3, une hydre à 3 têtes. Ses âmes. Oh. 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 Collection mise à jour, un tableau. Très bien. Et un coffre. Gant de Quidditch inégalable. Dommage que la saison de Quidditch, elle était. Revelio. Revelio. Je vois que ça brille. Fabré, gants arrive, t'es bleu, c'est rulé. J'ai tous les gants du monde. J'ai jamais de vêtements. J'en ai de temps en temps, mais c'est pas suffisant. Je suis dégoûté. Les quêtes, mon gars, les quêtes. La fille d'Ouagadoudou. Suivre la quête. Revelio. Ah, c'est Merlin, architecte de Poudlard.
Représenté ici, entouré des mascottes des quatre maisons, a conçu et supervisé la construction du château de Poudlard aux côtés de la fondatrice Rowena Serdaigle. Et donc à l'origine du plan au sol en constant changement. D'accord. Fort, fort. Ah, encore une porte à énigmes. Revelio. Quatre plus 2 égale 6, et donc il faut ça. Là, c'est très bien, c'est ce qu'il fallait. 5 plus 1, ça fait 6, et pour aller jusqu'à 11, il faut 5, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est un crabe. Il suffit juste que je trouve le deuxième... Il est en dessous. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Crabe. Je ne sais pas où je suis en vrai. Pour moi, j'ai juste prolongé la grande salle et je suis dans la fameuse tour. Mais... Oh là là. Revelio. Les mystères de Dlarpou. Tête d'elfe de maison. Let's go. Tenue émeraude élégante. Let's go. Oh! Serpenta! Ok. Revelio. C'est en dessous, n'est-ce pas? Shit. Ah, c'est là. C'est ça, c'est celui-là. Ok, cool. Qui est cette vieille? Caché derrière la statue d'une sorcière borgne, un passage secret relie Poudlard au sous-sol de la confiserie au Nid-Duc et ne peut être révélé qu'à l'aide d'un sortilège particulier. Ah. Nouvelle poudre de cheminette. Un coffre. Revelio. Un chat. Putain, où suis-je? Grande question, je suis infinitésimalement perdu. Et en plus la map... Ah, attends. Où ça, où ça? Tant pis, il m'avait semblé entendre la petite clé volante. Elle me rend fou, cette clé volante. Revelio. Et là. Je te vois, mène-moi. Passe, frère. Ah, putain, passe pas. Là. Je ne me suis pas perdu, je te tiens. Allez. Et voilà. First try, let's go. Excellent. Très bien. Ensuite, la route, par là. Ok. Ah non, mais c'est pas vrai! Là. Au moins c'est fait. Ah, dégoûté! Saleté, reprends-en une pour la peine. Salope de clé. Voilà, très bien.
juste après. Prochain mouvement, c'est ça. Je te vois. Excellent. Bien. Parfait. T'entends ? Réveille-le. Blason de Poudlard. Les armoiries de Poudlard sont ornées d'un lion, d'un serpent, d'un aigle et d'un blaireau, qui représentent chacune des quatre maisons de l'école, ainsi que sa devise, Draco dormiens nuncam titiandus, qui signifie « Ne faut pas chatouiller un dragon qui dort ». Level up. J'ignore où est-ce que cela mène, mais ça devra attendre. Ok, nous sommes dans la cour et... Très bien, le piaf. Revelio. Qu'est-ce que vous mijotez ? Ta gueule ! Ok. J'ai ouvert cette énigme, alors pourquoi les feux sont éteints ? Revelio. J'ai ouvert l'énigme, très bien. Ok. Voici dans la grande salle, ou plutôt dans la partie supérieure de la grande salle. Il suffit de descendre, je vais passer devant Guitarman. Voilà. Là, à droite, à l'inverse, non, vers les serres, pardon. Et à gauche, vers les potions. Pourquoi ? Je passe devant la statue de je ne sais plus qui. Et je me retrouve. Voilà. Devant la sortie ouest de Poudlard. Tout à fait. Avec là-bas un bout de forêt. Tout ceci est somme toute très joli. Mais. Attendre. C'est bien beau, mais on n'y est pas encore. Attendre. Mais... Et les portes du château se ferment de nuit, d'accord. Attendre. Voilà. Voilà donc la personne à battre à joute magique. Ok. Si tu veux. Et il pleut ! Ah ! Bon. Il faut que je fasse le tour par là-bas. Très bien. Bob, va donc à la salle commune pour parler aux hiboux. Bah non, j'ai déjà tous mes hiboux express. T'as pas besoin de parler aux hiboux pour avoir plus de hiboux express. Ils te le donnent, le hibou. Une porte là ? Une porte à Poudlard ? Non, c'est une fausse porte, ok, très bien. Revelio. J'ai toujours dit que voyager. Ok. Je t'ai vu, ok. Voilà. Champignon sauteur, ça s'est pris. Je conserve pas mal d'ingrédients quand même. Hein. Voilà, bouc. Attends, ça dit qu'en haut il y a quelque chose.
Plus exactement, en haut, il y a une espèce de cercle, vous voyez. Revelio. Donc il y a forcément quelque chose d'intérêt en haut. Revelio. Revelio. Oh oh. Un coffre avec une cape du Kraken. Sympa. C'est juste une volière? Putain, c'est une giga volière. C'est une volière! Les hiboux de l'école et les hiboux de compagnie des élèves vivent dans la volière de Poudlard. Il est conseillé d'explorer avec prudence, en se méfiant des fientes de hiboux et des squelettes de souris régurgitées. Je pensais qu'elle était dans Poudlard et pas à l'extérieur. Elles vivent leur meilleure vie. Voilà. Hop. Revelio. Les vieux sont. C'est dommage parce qu'avec toutes les fientes de mouettes, tu peux difficilement baiser ici, mais en vrai, ce serait Kino. Hein. Bob, c'est à ça que tu penses? Bah, écoute, t'es en 7ème année, t'essaies de trouver un coin un peu discret avec une meuf, tu vas dans la volière, frère. Tu lances un Raikuro? Ouais, mais écoute, c'est pas la Shankla non plus, tu vois. C'est pas avec un Raikuro que tu vas... Le mec, t'inquiète, je peux enlever les traces, putain, il efface tout. Tu peux se mettre dans la... Faut se mettre dans la peau de la meuf aussi. Fâché que moi, ça me ferait pas envie, tu vois. Le mec dit, hey, tu veux prendre un bain? Puis tu sais, t'as la baignoire, elle est pleine de sang comme ça. T'inquiète, je mets juste un coup de jet d'eau. C'est les techniques de drague d'El Pueblo, tu vois. On n'y est pas. Revelio. Dans la salle sur demande. En vrai, la salle sur demande, c'est vrai que c'est fiable de ouf. Après, le problème de la salle sur demande, c'est qu'il faut savoir où elle est, si tu veux. Or, je rappelle, pour la majorité d'Harry Potter, parce que J.K. Rowling l'avait pas encore écrit, la salle sur demande, c'était un secret, tu vois. Là, il y a Stonehenge. Il se passe un truc? Rien du tout. Zébi. Très bien. Et j'en ai... Expelliarmus. Il est mort. Il a fait un arrêt. Revelio. Bonjour. Merci. Excusez-moi. Outil de gardien. Un ensemble d'outils qu'on peut supposer avoir été enchanté pour créer du mobilier de toutes sortes et de toutes tailles dans le but de meubler une jolie cabane. Ok. Ok, fermez les yeux. C'est bon. Ça descend trop de rue ici ou bien? Hop hop. Trop loin ça. Thank you.
Une espèce de rat grenouille chelou. Bon, écoute. On m'a conseillé d'avant de faire cette quête, il aurait fallu que je fasse le cours des animaux. Mais j'ai pas eu le cours des animaux, moi, encore. Revelio. Donc, tant pis. Natsai! Quel plaisir de te voir ici. Natti, comment ça va? Une quête annexe, Natti, tu m'excuses. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la... Monsieur... Je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Ranrock iraient aussi loin. Monsieur, votre voix ne correspond pas du tout à votre physionomie, mais allons-y. Excusez-moi, est-ce que tout va bien? Tant s'en faut. Je viens de perdre mon fonds de commerce et presque ma vie. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. J'ai du mal à le croire. Restez sur vos gardes. Ils vous ont attaqué ? Ranrock n'a aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale, mais la violence n'est pas la solution. Lorsque j'ai dit ça, ils s'en sont pris à moi et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. Ils ont pris mes chariots, mes affaires, et surtout, ma peinture. La peinture ? Vous avez dit que vos peintures avaient disparu. Vous êtes peintre ? C'est cruel. Ah ouais ? C'est ma passion. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour un gobelin, la majorité de ma famille travaille dans le métal ou à Gringotts. Je serais prêt à parier mes plus beaux pinceaux que les fidèles de Ranrock n'en ont rien à faire de mon art et en feront du petit bois. Sans mes chariots et mon gagne-pain, qui sait quand je pourrais peindre à nouveau? Oh, c'est dommageable de ouf! Non, parce que le machin, il a des pouces opposables, il est capable de compréhension de langage et d'intelligence, donc forcément, son art doit être ouf! Les fidèles de Ranrock vous ont déjà attaqué de cette manière? Ils me raillent et me menacent depuis quelque temps déjà. Mais, à leurs yeux, la violence est le seul moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. La situation s'est envenimée dernièrement. Ranrock est de plus en plus puissant, et ses fidèles le savent. Ils se sentent invincibles. Ranrock pensait que tous les gobelins le suivraient, mais il avait tort. Excellent, excellent. Écoutez, nous allons retrouver toutes vos affaires. En échange, je vous ferai un portrait de moi. Je vais essayer de retrouver votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement, au sud-ouest d'ici, au-delà des ruines. J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces, j'en ai bien peur. Mais j'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance, même si les circonstances auraient pu être meilleures. Monsieur ? N'en jetez plus ! D'abord, vidons-nous les bourses. Bonjour, monsieur. Que vendez-vous ici ? Bonjour, je m'appelle Jalal Semi et vous êtes dans ma boutique de potions. Bien, je m'en bats les couilles. Que proposez-vous ? Donnez-moi votre argent. Voilà. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il vend ? C'est quoi ? Du jus de sangsue ? Petite potion Wiggle Weld. Ah, on prend une oui. Par sécurité. Très bon choix. On s'en fout. Je n'aurai aucun mal à vendre ça. On merci. S'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Et enfin... Hey. J'espère vous revoir bientôt. On va voir la cape Kraken. Oh! Ah, il y a un petit luxe, il y a un petit luxe. Pas mal, pas mal. Après ce que Ranrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Arne. Pas mal, pas mal, pas mal. Ok, très bien. Allons au campement. Et massacrons-les. Pas de backseat, on a dit. Si c'est à propos du fait qu'il faut que je fasse la mission de je sais pas quoi avant de faire Gryffondor, j'ai pas le choix, c'est la seule mission principale à laquelle je dispose. Dont laquelle je dispose. Donc faut bien que j'avance. Sinon on n'y arrivera pas. Et que se passe-t-il ici ? Revelio. Thank you.
Le Noir des Hébrides est un gigantesque dragon qui peut atteindre jusqu'à 9 mètres de hauteur. Archie Beagle en possède une imposante écaille régulière qu'il conserve précieusement dans sa cachette. Eh ben, sympa. C'est quoi ça là-bas? C'est des araignées? Ouh! Bonjour! Action! Ah, bien joué! Croquetto! Merci. Action! Incendio! Ah là! C'est pas de ma faute si tu es une araignée géante mortelle. Oh le yinche! Levioso! Levioso! Action! Action! D'autres yens. Action! Action! Levioso! Ah, raté. Ah bah il en est mort lui, c'est encore plus simple. Action! Incendio! Action! Incendio! Bap! En tout cas, ça marche bien. Plutôt que de suivre la route, je vais suivre la rivière. Ah, mais j'imagine qu'il faut monter malheureusement. Action! Incendio! Hop là! Protego! Ah, dommage. Stupéfix! Stupéfix! Ouh! Clébar! Incendio! Voilà. Bop! Protego! Stupéfix! Ouh! Action! Incendio! Stupéfix! Ouh! Il y a quelque chose d'autre ici? À part une misère de loup infinie que j'ai mutilé d'ailleurs, sans aucun respect pour la péta. C'est sûrement ici. Oh, j'ai récupéré un bonnet, frère. Let's go. Alors, un campement, un campement, un campement, un campement. Allons-y. On dirait qu'il y a plusieurs moyens d'entrer. Eh ben, prenons la porte principale. Messieurs, en garde. Ouh. Messieurs! Messieurs, s'il vous plaît! Action! Incendio! Ah, il est mort déjà. Messieurs! Oh! Expelliarmus! Boop! Incendio! Eh ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, Protego! Oh, oh. Hop là. Stupéfix. Ouh. Action. Levioso. Venge-le, venge-le. Qui êtes-vous? Action. Protego. Stupéfix. Levioso. Sur la défense. Boop! 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 Action! Ah! Ouah, je l'ai bloqué celle-là, j'aurais pas dû! Levioso! Il est mort.
Action. Je n'ai eu aucun mal à dévier. Ah la vache! Incendio! Merde! Tu veux dire bon comme un bouton? Incendio! Tu ne peux pas vous abandonner! Levioso! Action! Est à nous. Ah, il m'a eu! Il m'a eu, je voyais pas les couleurs. Ah, quel enfer. C'est pas grave, je me suis fait avoir, c'était un boss. Tout va bien. Il m'a exécuté. Bah surtout, en fait, comme c'est un boss, il se laisse pas stagger facilement. Tu peux pas lui faire les combos Levioso, Axio ou autre et t'attendre à ce qu'il a. Combien êtes-vous? Protego! Stupéfice! Action! Ah la vache! Je suis mort. Je suis mort. J'ai confondu parade et esquive en fait. Le fait que le bouton d'esquive soit sur le contrôle, ça me baise au plus haut point. Parce que ça me force à bouger mon petit doigt. Et comme mon petit doigt, c'est pas le truc que j'ai le plus musclé du monde, si tu veux. je vais peut-être le bouger sur la souris, l'esquive. Des armes plus, c'est vrai. Je crois que tu vas passer un sale quart d'heure. Combien êtes-vous? Ah la vache! Allez, ça passe. Là, voilà. Oh la vache, il est sorti du combo direct! Allez, ça y est. Action. Mais bon, j'ai un rythme. Allez, merci. Action. Démarre. Quelle déception. Ah putain, il a pas démarré. Tu t'en tireras pas comme ça. Expelliarmus. Bien joué. Ça n'est pas très appréciable. Stupéfix. C'est triste. Vraiment. Nique-toi. C'était assez incroyable. Voilà. Bon, il faut libérer les chariots d'Arne. Ouh. Disions-nous. Donc effectivement, mais voyez, ils ont des taux de recovery qui sont bizarres quand même. Tu brises leur armure, tu leur mets un lévitation haute, ils en sortent Rébellion. Direct. Ils font les combos propres, mais il faut pas se laisser décompenser. Bah très bien. Excellent. Des gants en cuir marron, on aurait pu mieux faire. Parce que c'est stade merde, mais on fera 100. Impressionnant cet enchantement. Les chariots reviennent vers Arne. Très bien, et les chariots retournent vers leur propriétaire tout sagement. C'est bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Action. Ok, j'ignore ce que c'est. Rebellio. Pour l'instant, on fera 100. On va se dire que c'est pas important. En revanche, on peut monter là-haut. Là, voilà, très bien. Tenue de nuit onirique. Lol, j'ai débloqué un pyjama, let's go. Ok.
Et parmi tout ce matos gobelin, il n'y a rien qui n'aurait suffisamment de valeur pour que tu daignes le ramener. Bon après c'est sûr par contre que tu vas te mettre une dette de sang face aux gobelins de ouf, puisqu'ils supportent pas qu'on leur vole des trucs, mais t'es un sorcier, t'en bats les couilles. Bon c'est pas grave. Tu aurais-t-il que nous avons encore plus de fashion. Ouh. Autant ça, je suis pas convaincu. Autant violet, c'est l'affre du bon goût. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Je sais que ça jure un peu, mais... Je sais que ça jure un peu, mais que voulez-vous? Oh, le haut de forme, mon gars! Le bonnet! Ah, je suis un vrai sorcier, maman. Ce bonnet! Ok. Suivons les calèches. Les calèches. Elles se démerdent ou elles reviennent... Et est-ce qu'on peut monter à bord surtout? Oh, dommage. Assassinons ces deux trucs qui traînent dont on ignore la nature. Dei. Action. Incendio. Expelliarmus. Leviosa. Ouvert. Mais excuse. Je devrais regarder ça de plus près. Revelio. Revelio, rien du tout. Oh, des murs. Oui, mais des murs magiques. Ah. Ah ouais. Ouais, non. Dommage. Comme il cavale, comme un enculé, j'adore. J'ai fait ça pour farmer les points de plasma. Ok. Excellent. Oupidoupidou.
Expelliarmus, Incendio. Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Revelio. Rien d'autre, ok. Incendio. Revelio. Cette musique de la tristitude. Expelliarmus, Levioso. Expelliarmus, Incendio. Action. Ah. Yay. Yeah. Oh, le turban. Let's go! Revelio. Oh là là, alors ce turban il est incroyable. Après je coupe un peu en ligne droite, j'avoue. Oh, ça dit qu'il y a des araignées là, c'est vrai? Incendio. Gratuit. Revelio. C'était juste un nid d'araignée, ok, ok. Très bien, très bien. Allons-y, ignorons ces ragondins. Ah, aujourd'hui c'est l'épisode exploration, hein. Spooting. Georges, tu sais qui vit des aventures folles. Voilà. Mon cher ami gobelin, justice vous a été rendue. Pour mes marchandises, je suis désolé, mais je n'ai toujours pas récupéré mes chariots. Alors, justice a été rendue, mais la fashion, elle, en revanche, elle a été mais mutilée, mon gars. La fashion est morte. Bonne nouvelle, Arne. Vos chariots sont sur le chemin du retour. Je ne sais pas quoi dire. J'avais presque perdu tout espoir de retrouver mes affaires. Les fidèles de Ranrock n'ont jamais compris ce que je trouvais aux sorciers. Merci de me le rappeler. Un simple virement bancaire fera l'affaire. Ceux que j'ai affrontés ne m'ont certainement pas facilité la tâche. Je suis content que vous alliez bien. Oh, j'ai hâte de retrouver mes affaires, surtout ma peinture. Vous m'avez inspiré. Je fais affaire avec des sorciers et des sorcières. Depuis des années, et tout s'est toujours très bien passé. Ma prochaine œuvre rendra peut-être hommage à la beauté de notre relation. Quelle merveilleuse idée, Maître Gobelin. Quelle belle idée, Arne. Je vous souhaite bonne chance. J'ai hâte de commencer. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je vous souhaite le meilleur, quand mes chariots. On va scammer un gobelin pour qu'il nous récompense. C'est beau ça quand même. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, petite sortie avec Miss Parfaite aujourd'hui. La cape est une bonne idée, mais non. Écoute, petit pull. Petit pull, petite écharpe. Tu sais quoi? BCBG. Voilà. Quoi que les chausses. Ouais, ces chausses-là, ces chausses-là. Voilà, voilà. BCBG. Petit tweed. Écharpe en peau de serpent. Ou écharpe large. Oh oui, écharpe large. Pas de veste? Non, il fait bon, regarde. Profitez-en pour sauvegarder. Voilà.
J'ai pas dit petit tweed. Je suis ravi de vous montrer mes marchandises. J'ai dit petit tweed. Le tweed, espèce de barbare. Espèce d'ignoranus honteux. Attends, par contre, il y avait un magasin là qui s'est téléporté. Tant pis. Ah, quel plaisir de te voir ici. Oh là 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 là, le prestige. Elle est toujours habillée en sac à patates, hein. Meuf, ça te met vraiment pas en valeur, hein. Je veux pas parler mal, mais... Par contre, j'ai débloqué un autre truc. Ça, tu vois, ça a été volé au professeur de charme. Professeur de sortilège, hein. C'est une catastrophe. Ah, too much. Eh bien, écoutez, on va terminer cet épisode ici, mais on va avoir le plaisir de découvrir le dialogue d'abord. Allons-y, et on reprendra là pour l'épisode suivant. Salut, Nati. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. J'étais là, et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow aux Trois Balais. Je m'inquiète pour toi. Pour l'instant, tout va bien. Sans indiscrétion, pourquoi sont-ils à ta recherche? Écoutez, madame, j'ai regardé vos chaussures. Vous n'entrez pas dans ce club. Je ne connais pas Rockwood ni Harlow. Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est étrange. Que peuvent-ils bien vouloir à un élève de Poudlard? Mais quoi qu'il en soit, tu étais clairement en danger. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. Tout le monde parle de ce que tu as fait pour défendre Préolar lors de l'attaque du troll. Et le moment où Sirona a tenu tête à Rockwood et Harlow aux Trois Balais. Inoubliable. Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Ah ouais, il était partout. Et j'ajouterais que c'est grâce à nos actions de Serpentard que nous t'avons donné à toi la Griffon d'or du courage. Moué, moué. Ton CV n'est pas très impressionnant jusque la choupette, il faudra y travailler. Rockwood et Harlow sont déjà très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Ranrock. J'avais entendu dire qu'ils avaient été vus ensemble à Préolar. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Théophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow. Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment ? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Nati. Sois sur tes gardes. Et c'est moi où elle m'a littéralement demandé de savoir si on pouvait éliminer un gars. Osez-vous me menacer ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh ! Du scénario, du mystère et surtout de la magie. Comment ? Dans tous les cas, je viens d'avoir une conversation avec Nati et elle a été, disons, en deçà de ce que l'on pouvait s'attendre. Je vous invite à mettre un pouce vert, à vous abonner et à regarder la suite des aventures de George tu sais qui pour voir le sourire le plus ravageur de Grande-Bretagne continuer à commettre des crimes et hontes. Mais voyons, ce n'est pas illégal lorsqu'on est beau.